reparti. Et voilà, on est reparti pour notre nouvel épisode. Cette fois, nous allons avoir un résumé de la capitaine Coralie Rokatansky. Je le dis avec un accent américain, mais de savoir d'où elle vient, mais ça, c'est tout un suspense. Raconte-nous donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les épisodes précédents? Tout à fait. Alors, dans l'épisode précédent des experts, on a eu une un petit règlement de compte, je dirais, entre Louis Valméras et tous les autres, en fait. Oui, il a décrit tout ce qu'il savait, tous ses doutes envers chacun de ses coéquipiers, on va dire. Et puis, au fur et à mesure, au cours de ce monologue, il a été interrompu par une Mégane qui a soudain apparu et qui a semblé s'arrêter devant notre villa, puis repartir. Ce qui a fait réagir Ismaël au quart de tour, qui s'est précipité et a pu relever la plaque d'immatriculation de sa voiture. Nous avons ensuite longuement débattu quant à la marche à suivre et nous avons fini par arriver à une sorte de compromis. Le plan est donc que Anis et Ismaël se rendent au Havre pour enquêter sur les trafics de drogue et de prostitution. Et éventuellement vont passer à l'université pour voir s'ils ne repéreraient pas certaines informations sur la dernière victime et sur le fils de Carpentier qui est pour l'instant notre principal suspect. Quant à moi, je m'apprête en compagnie de très cher ami Valméras à me diriger dans la gendarmerie afin de récupérer des informations sur la plaque d'immatriculation. Et éventuellement sur mes supérieurs hiérarchiques. J'ai pas du tout envie de pleurer quand je parle de ça. Voilà. Il va s'en passer des choses. Et ben justement, on va commencer par ça. Donc, vous vous rendez à la gendarmerie. Dites-moi comment est-ce que vous... Ah oui, vous y rendez plus ou moins à pied, c'est ça? Bah, quand ce qu'il y a de mieux pour être discret, hein, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai un masque sur le nez. Si vous Et des regardez lunettes de la... soleil, Si vous regardez la afin qu'on ne carte, nous reconnaisse pas. vous verrez qu'il y a un petit bois derrière la gendarmerie et que... Passer par le petit bois, c'est peut-être encore ce qu'il y a de plus simple pour être discret. C'est vrai. Est-ce que Louis a des suggestions là-dessus, puisque c'est plutôt son domaine? On est en plein Eh jour, elle est bien. pas fermée, hein, on est en plein jour, puisqu'il y a il y a du monde dedans, donc. S'il y a du monde dedans, c'est vous qui vous la connaissez bien, cette gendarmerie. Effectivement, au niveau du petit bois, alors comment c'est foutu? Alors, Pouf, je vois la gendarmerie. on peut y aller sous. Soit on y va. Infiltration en plein jour, on risque d'être vu, etc. Soit par la grande porte. Avec en peu d'extant que enfin, t'es encore malade, mais tu dois récupérer un dossier à traiter, etc. À traiter de chez moi, par exemple. Voilà. Ramener du travail à la maison. Est-ce bien Parce que légal tu tout tournes ça? en rond, tu tournes en rond. Non, mais je peux dire que je peux prétexter, je dis, oui, j'ai eu un informateur pour une affaire, pour l'affaire de Arsène. J'ai absolument Exactement. besoin de récupérer le dossier. Et moi, de toute façon, ils me connaissent à la gendarmerie. Et je suis Donc, là pour mais justement. tu rentres pas en même temps que moi, du coup. Mais si, parce que regarde, C'est toi l'informateur? on peut être tous les deux à travailler sur justement cet Arsène Lupin qui Ouais, cause ce sera toi mon plein de problèmes. informateur. Parfait. Exactement. On fait comme ça. Ça marche.
On fait comme ça. Par contre, je Parfait. porte effectivement un masque et tout. Je fais semblant de tousser un petit peu, histoire que les gens m'évitent. Ok. Après, on n'est pas obligé de s'étaler si on nous pose des questions. Non, c'est sûr. On fait Donc, comme ça. et du nouveau dans l'affaire Arsène, j'ai quelqu'un qui a des pistes. Pof, j'ai juste un dossier à aller chercher dans mon bureau, puis pof, on Voilà. vient, on repart. Et toi, tu t'occupes de l'enquête sur les supérieurs, et moi, je récupère les infos sur la plaque d'immatriculation. T'entends Une ça. fois sur place. Je suis en train de me frotter les mains. Je m'échauffe. Et j'ai, malgré mon masque, tu sens un sourire, mais je suis aux anges. Super. Je sais pas si tu vas rire longtemps. Vous arrivez donc à Ouais, l'accueil de épargnez-moi le la sourire gendarme. narquois. Vous arrivez donc à l'accueil de la gendarmerie et vous voyez un jeune gendarme qui vous accueille et qui fait oui. Ah, oh, capitaine Rokatansky, vous êtes de retour? Vous allez mieux? Je tousse, je fais. pas vraiment. J'ai un dossier que je dois récupérer absolument. C'est une affaire très urgente qui peut pas attendre. J'en ai pour 5 minutes. J'arrive, je prends le dossier, je repars. Bien sûr. Et ce monsieur est avec vous, c'est ça? Ouais, c'est ils mettent sur Moi, je suis le... l'enquête. Non, non, moi, je suis le chauffeur, je l'accompagne. D'accord. Et vous êtes garé où? Vous êtes garé dans le parking, là? Non, je me suis garé à l'extérieur, moi, j'ai pas les clés du parking. Ah, d'accord. Ok. J'ai pas le droit, moi. Ok, Je suis vide, d'accord. moi. Ok. Vous attendez ici, alors on laisse le capitaine Rokatansky rentrer tout seul. Alors. Je laisse attendre ici. Je Il peux t'indique des chaises emprunter les autres pour les deux t'asseoir. secondes. Il y a une machine à café si vous voulez. Il est quand même à l'intérieur. Oui, faut c'est un hall d'entrée, quoi. Ouais. C'est une salle d'attente. Hein. Ouais, une sorte de salle d'attente. Très bien. Il y a des toilettes, je suppose. Oui, c'est. Alors vous allez vers le couloir là-bas à droite, au fond à droite là-bas. D'accord. Merci, merci. Je vous en prie. Eh bien, je vous Du coup, je écoute. monte dans mon bureau. Moi, je la D'accord. suis, j'attends qu'elle me montre où aller pour dans un petit endroit discret pour pirater un ordi. Bah, je suppose qu'il y a le bureau. Je sais pas, en fait, avec mon ordinateur. Ou l'ordinateur d'un de mes collègues dans le même bureau, on peut peut-être accéder à un fichier si tu sais pirater les choses. Vous croisez cinq Bah, personnes en j'essaye. chemin qui vous saluent. Oui, bah moi je vais dans mon bureau, Ouais. hein. Ah, Moi, capitaine, ah, vous je allez leur dis bien, quoi, bonjour aussi. capitaine? Alors Monsieur, là, à chaque fois que je monsieur, croise quelqu'un, par monsieur. contre, je tousse très fort. Et j'espère que les gens s'écartent. Ouais, effectivement, les gens s'écartent. Pardon. Moi Voilà. aussi, je tousse. Je vous le fais. Comment Bon, ben, vous arrivez jusqu'au bureau de capitaine Rokatansky, oui. Et après? du coup, bah, je fais ce que je voulais faire. J'ouvre mon ordi et je Ouais. vais éplucher les registres. Voilà. D'accord. Fais-moi un Les registres jet. des PV, des excès de vitesse, tout ça. Ouais, ben, très bien. Fais-moi un jet d'intelligence. Ouf! No comment. Ah, effectivement, Très bien. tu trouves deux contraventions au nom de Paul Mizrahi. Paul Paul Mizrahi. Misraï. Mizrahi. Mizrahi. Ça marche. Voilà, en faisant même tu trouves Et j'ai quelques une informations. adresse. Ouais, tu trouves son adresse, tu sais qu'aussi son job, c'est qu'il est, il est secrétaire, il travaille chez un notaire de comment s'appelle, de Étretat, qui s'appelle Paul Berrichon. Paul Berrichon. Ah oui, je connais lui. Tu m'entends, Valméras, dire Ouais.
Je connais lui, mais c'est tout. Ah, mon coco, je vais pas te louper. Très bien. Moi, pendant ce Voilà. temps-là, je fais des recherches sur les cons, sur les sur ses supérieurs. Tu fais des recherches au sein, toi? T'es où, genre? Moi, Bah, je suis en mettons pause, je que pense que non. dans Hein? mon bureau, il y a un autre ordinateur d'un de mes collègues qui n'est pas là, je lui file. Ok, d'accord. Bah, C'est vas-y, ça. fais-moi un test d'intelligence, alors, tout pareil. Je peux pas faire le casse-code. Si tu veux. Monsieur Cascade. Oh, Ouais. alors, je suis aux anges. Alors tu trouves tu cherches quoi exactement? Alors, en fait, je cherche plusieurs choses. Des infos sur justement les supérieurs de Coralie. Tu sais, des infos, voir si tu sais, au niveau des fiches de paye, au niveau des. On doit trouver ça au sein de l'administration de la gendarmerie. Voir s'il n'y a pas des comptes qui soient un petit peu. Tu vois, s'il n'y a pas de peau de ventre, entre guillemets, etc. Je cherche aussi tout ce qui est en lien avec, de près ou de loin, avec Carpentier. Et la dernière chose que je cherche, sans le dire à Coralie, je vais te l'écrire. D'accord, donc je donne tout ça par écrit en mode caché alors. Voilà. Et puis tu décideras de ce que tu partages ou pas comme information alors. Une fois que j'ai fini quand même de faire mon truc, je regarde ce qu'il fait, hein. Je ne laisse pas quand même. Ok. Et puis Ça voilà. marche. C'est à peu près tout ce que tu trouves. J'ai pas d'autres idées. Je crois qu'on a fait le tour. Ok. Je me lève et je fais capitaine. Je vais faire mine de descendre et de sortir des toilettes. D'accord? On se Ça retrouve en bas. marche. Ça marche. Je prends quand même le dossier Arsène. Je prends sous le bras et je repars. D'accord. Ben ok, ben c'est tout. Alors, ben vous retrouvez ben en bas Bah, Alors, dehors monsieur. ou devant le commissariat, on se retrouve au final. Moi, en sortant des toilettes, je bouscule le petit jeune qui nous avait accueillis à l'entrée. Je vois, oh, pardon. Voilà. Désolé. Je regardais pas où j'allais. Elle s'est fait piquer sa montre encore. Ça faisait longtemps. Non, pas sa montre. Je pense qu'il a une pauvre montre bien pourrie, genre une montre à 10 € achetée Une chez clic claque. Decathlon. Non, non, non. Je sors, puis je fais. Au fait, je me suis garé pas loin, capitaine. Cette fois, on rentre en voiture. Hein. Laissez-moi deviner. Vous Non, 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 avez non, 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 non. une Faut voiture? arrêter avec ça. Oui, j'ai les moyens de me payer une voiture. Permis de prendre T'as spectacle, je piqué. suis très célèbre, tout ça. Voilà. Tu as laissé un chéquant, c'est ça? Je me sens sourcil surpris et je fais très bien, d'accord. Ok. Donc, tu sais, Je je souhaitais appuie pas sur les vous clés, ça enfoncer. fait tout, 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 tout. Ah, c'est celle-là. Mouais, 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 mouais. Allez, Ok. Saint-Cenis, on y va. Marche. J'ai l'air un peu surprise, T'es mais ok. sûr que j'ai pas une mégane? Non, non, Saint-Cenis. Bon, ok.
Les plus classiques. Ça pourrait être marrant. Tiens, je vais faire un test, voir si ça se trouve, il y a peut-être une mégane garée devant la gendarmerie. Laissez-moi faire un test qu'on rigole. Ce serait rigolo. Ah non, il n'y a pas de Énorme. mégane garée devant la gendarmerie. Je suis désolé. Bon alors, vous avez trouvé des trucs intéressants? Eh oui, très intéressant même. Alors, pour ma part, j'ai cherché supérieur, tout ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien, mais il n'y a rien. Ils ont l'air d'être clean, vos supérieurs. Ok, bah, je suppose que ça devrait me réjouir, mais ça veut dire que ça vient d'autre part. Rien sur Cap entier non plus, hein. Ah. Vous rentrez à la villa, c'est ça? Ouais, on rentre. On est en voiture là, on est sur le trajet. Je n'ose même pas vous demander comment vous rentrez. Je veux pas le savoir. Avec le scénic, avec mon scénic. Il a dit que Comment c'était sa voiture, hein. et du garde-vent, c'est ça? Comment? C'est vraiment ton scénic ou? Il Ah a dit que non, c'était sa voiture, hein. Moi, je l'ai cru, hein. Non, il a piqué les Non. clés aux jeunes. Ah oui, c'est vrai, C'est j'avais là. oublié. J'avais oublié, putain. C'est pas possible. C'est ok, d'accord. Effectivement, bah oui, bah ok, vous rentrez en voiture, ouais. Il a été sympa, il lui a laissé sa montre. Non, pas la montre. La montre était pourrie. Et puis le scénic, je crois aussi, il est assez pourri. Hein. C'est un vieux truc. Ah ouais, c'est un truc tout pourri. Mince. Au moins, Avec on rentre pas. un siège bébé à l'arrière. Exactement. T'avais des enfants, Valmeras? Écoutez, ma vie privée, ne vous regarde, en aucun cas, capitaine. D'accord, c'est agréable de discuter avec vous. Tout à fait, ma chère capitaine. Donc alors, les infos? Oui, alors, figurez-vous que la mégane n'appartient pas au Carpentier, mais à un certain Paul Misrahi. Qui est Paul Misrahi? Paul Misrahi est un secrétaire dans un célèbre cabinet de notaire d'Etretat Célèbre, célèbre, comme tu qui diras. appartient à un certain Paul Berrichon. Et croyez-le ou non, mais lors de mon enquête préalable, j'avais aussi vu apparaître le nom Berrichon. Je n'avais pas du tout Ah. réussi à l'impliquer d'une quelconque manière. Contrairement au fils Carpentier, mais son nom était apparu à un moment donné. Donc je suppose que on va pas s'arrêter à la villa, qu'on va s'arrêter à Je chez vous avez pense. l'adresse de ces J'ai messieurs? l'adresse. J'ai l'adresse de du secrétaire et j'ai l'adresse du cabinet de notaire. Alors allons-y. Vous avez un GPS? Espérons que La scénique. Ah pas sur cette voiture, non. Non, non, c'est pas le modèle avec GPS, malheureusement. Alors, et là je ralentis, puis je commence à regarder un petit peu sur les voitures qu'il y a garées dans la rue. Non, celle-là, il n'y a pas le GPS. Non Non, mais celle-là, il n'y a pas le GPS. Ah, non mais c'est bon. c'est bon, Coralie, tu as Google je vais Maps sur utiliser ton mon téléphone. GPS. Oui, je pense que. Je l'interromps avant qu'il fasse une autre connerie. C'est bon, c'est bon. Sinon, j'ai ma deuxième voiture. Ah, je vous l'ai pas dit. Oui, Hein. bien J'ai une sûr. deuxième voiture. Oui, c'est ça. Ouais, prenez-moi pour une crétine. Pas très le Bon. bonjour à vos enfants de la même manière. Hein. Allez. Enfin, mon Alors, à la enfant. prochaine à droite. Vous allez où là? Allez. Bah, on va chez le cabinet de notaire. D'accord, j'allais chez On Berrichon. va passer deux. Ouais. Ok. Très C'est bien, parti. j'ai Dans ce coin-là.
en regarder, mais j'ai pas J'espère prévu que nos camarades Anis et Ismaël ont eu Et plus de par contre, chance que nous. sur le chemin, je veux bien poser plus de questions à Monsieur Louis. Ouais, vas-y, pose des questions. Exactement, qu'est-ce Vas-y. qu'il a trouvé? Ah, qu'est-ce qu'il a trouvé, Rien lui? du tout, rien sur Carpentier, rien sur mes supérieurs, rien du tout. Alors. Non, sur tes. En fait, j'ai fouillé, voir s'il n'y avait pas des. Genre des pots de vin, des choses comme ça. Il n'y a rien. Y a vraiment que dalle, quoi. Et pourtant, je suis persuadé d'avoir bien tout fouillé. Il y a. Tout a l'air chez vos supérieurs, tout roule, quoi. Donc vous avez absolument rien trouvé. Non, pas en ce qui concerne vos supérieurs. Et le reste? Et le reste, quoi le reste? Ben, La Carpentier, y a garantie? rien. Carpentier, y a rien. La mafia russe, on sait qu'il y a, mais pas moyen de trouver de quoi les inculper. Donc, chou blanc, quoi. Vous n'avez absolument rien trouvé sur rien. Bon, c'est décevant, je Non. pensais que vous étiez plus doué que ça. Parce qu'il n'y a rien à Ou alors, trouver. c'était peut-être pas là qu'il fallait chercher. Peut-être. Je vais quand même. Bon, parce qu'elle a l'air d'insister. Je vais quand même. Alors, remarquer un détail ou l'es-tu tu as froid. Est-ce que moi je Genre, peux si tu faire n'as un test aucune pour idée. voir s'il ment? Ah oui, tu peux, oui. Si tu C'est as. quoi? Si... Parce que j'ai pas grand-chose. Ben, un test d'intelligence, par exemple. À moins que tu aies une capacité Non, particulière intelligence, c'est là-dessus. bien. Je fais esprit d'analyse. Voilà, je suis Ouais. très intelligente. D'accord, bah effectivement, tu es convaincu qu'il est très franc. D'accord. Esprit d'analyse, et Bizarre tu que. cherches à savoir quoi, notre ami Louis Valmira? Bah, voir si. Parce que elle a pas l'air d'être tranquille, quoi. Bah non, j'étais un peu inquiète à le laisser Bah, effectivement, elle a l'air un peu plier inquiète. son nez. Elle est un peu inquiète, oui. Effectivement. Disons que j'ai pas totalement confiance en Louis, hein. Peux aussi Bon, je me suis faire entièrement. un jet de perception si tu veux aussi. Alors, j'ai remarqué un détail. Ouais, bah fais-moi remarquer un détail. Ouais, Bon, bah tu je remarques marque aucun pas. détail. Bien. Quoi de neuf? C'est tout? Bah vous allez chez Berrichon, c'est Moi, ça? c'est ça. Eh ben, en attendant que vous alliez chez Berrichon, on va dire que nos amis, ils arrivent au Havre. Oh, Entre-temps. Anis, t'as vu? On est enfin arrivé. Oui, c'était assez loin. C'était assez loin. Pendant qu'on a roulé, j'ai passé des coups de fil. J'ai appelé. Et je tombe sur un gars que je nomme Az. Ok, donc vous Et commencez je par ça alors. lui ai. Ouais, Ouais, c'est enfin, ça. qu'est-ce que tu en penses, D'accord. Ismaël? On commence par le Ouais, ça me quartier, et va, après on ouais. Ouais, verra on est d'accord. Par la fac. l'université après, ouais. 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 Ouais, j'ai Moi, je pas. voulais passer d'abord. Ah. D'accord, et ben ok, ben vous arrivez dans un quartier un peu chaud, genre bar de HLM. Très peu de gens dans les rues, pour pas dire personne. S'il y a du monde, ils doivent certainement être cachés à l'intérieur des cages d'escalier. Tu lui as donné un rendez-vous quelque part à ton gars? Oui, je m'approche avec mon pick-up. Je me gare près D'ailleurs, qu'est-ce que t'as d'une fait de tes porte. chiens? Ils Ils sont sont. sur le pick-up. D'accord. Ils sont À avec l'arrière. nous. Ils sont à l'arrière. Ils bronchent pas. Mais en fait, je coupe le moteur.
Je dis à Ismaël, qu'est-ce que tu viens avec moi ou j'entends seul pour l'instant? Qu'est-ce que tu en penses? Az, je le connais depuis quelque temps. Je l'ai connu bien avant même. On s'est connu avant, même avant que j'étais légionnaire, en fait. Ouais, ok, ça Donc, va. Et ben, tu tu le trouves vois quoi? Tu le trouves ça de dans une quoi je cage parle? d'escalier? Tu le trouves dans une cage d'escalier, quelque Ouais, chose comme ça? c'est ça. Par contre, Voilà. j'y suis allé avec mon chien. J'ai laissé un autre chien avec Ismaël. Ismaël, tu restes avec moi ou tu viens? Moi, j'ai peur que si tu viens avec moi, Ouais, ça le bloque. Non, j'attends ça dans le la bloque. voiture. Je sais pas Par si le contre, chien, ce que ça je va vais le faire, c'est détendre que je. beaucoup non plus aussi, hein. Non, mais il est habitué à mon chien et il le connaît. je suis pas sûr que tu l'aies vu depuis un moment, hein. Je sais pas si que la dernière fois que tu l'as vu, t'avais déjà des chiens. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je vais laisser mes chiens avec le pick-up. Comme ça, en protection avec Ismaël. Et je m'avance vers là-bas. Ok. J'ai mes. Je Bah passe. effectivement, tu rentres dans une cage d'escalier et puis tu le trouves avec 2-3 personnes en train de fumer. Je Ah. le. Annie, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, hein? Qu'est-ce que tu deviens? Putain, t'as changé, hein? Ouais. J'ai pris du poids, tu as vu? Et pas de la graisse, hein? Oh là là! Ouais. Un peu de muscu, tu Ouais, sais bah ce je que vois c'est? ça. Un peu la Ouais, je vois fonte. ça. Par contre, toi, t'en as pas trop fait de fonte. Ah bah, non, c'est pas mon truc, moi. On fait avec ce qu'on a. Ouais. Dis-moi, je t'ai un peu dit au téléphone ce qui m'a mené. Deux choses. Est-ce que tu aurais. Tu as toujours un approvisionnement au Havre? Oh là, ça fait plus de 2 semaines, peut-être 10 jours que y a plus rien qui arrive là. D'accord, On n'a mais plus pour rien là. moi, tu aurais un truc, un petit truc. J'ai un peu d'herbe, mais c'est tout ce qui me reste. Az, ne me la fais pas à moi. Il y a toujours une petite réserve. Tu as toujours une petite réserve. Je te dis, ça fait 2 semaines, on a écoulé tous les stocks qu'on avait, il n'y a plus rien. Ça fait 2 semaines qu'on n'a plus rien, on n'a plus rien à bébé. Est-ce que je peux voir s'il me ment ou si Tu peux, si tu s'il veux. me dit la vérité? Tu peux faire un jet, soit intelligence, soit perception. Ce serait plutôt intelligence, normalement. Oh, intelligence, perception. Bon, allez, perception. Ouais, bah Il écoute, pour toi il a l'air très franc, hein. Donc, bon. Donc, t'as rien pour moi. Est-ce que tu Non, je suis vraiment connaîtrais désolé, mais j'aurais quelqu'un? quelque chose. Tiens, mais d'ailleurs, il fouille dans sa poche, il sort, il te donne un sachet de cannabis, il dit, tiens, c'est cadeau, souvenir du bon vieux temps, je te fais même pas payer. Ouais. Tu vois qu'il le prend, mais pour entamer la conversation. Dis-moi, est-ce que tu aurais entendu parler de Nénette, héroïnomane qui aurait disparu ces temps-ci? Alors oui, on est en C'est-à-dire. Covid et tout ça, mais. C'est-à-dire. Tu me dis qu'il y a plus de. Il y a plus de drogue qui circule, mais bon, Ouais. tu dois encore avoir tes oreilles qui traînent à droite et à gauche. Ah, y a pas grand-chose à traîner, hein. Les gens sortent pas, hein. Ouais. Ça m'arrange pas tout ça. Bah, je suis désolé, hein. Si je pouvais t'arranger, crois-moi bien, je t'arrangerais.
Et t'as rien pour les animaux, morphine, enfin ce genre de choses. J'ai rien du tout, moi. Des produits. Je suis pas dans le vétérinaire, Ou non, non, j'ai rien de. Non. Des trucs comme ça, peut-être faudra essayer d'aller te faire un casse dans une pharmacie ou dans un. Dans un. Il y en a qui ont chez essayé, un hein, parce que veto. pour renflouer les stocks, il y en a qui ont essayé de faire des casses à la pharmacie ou à l'hôpital, mais il y en a peut-être un ou deux qui ont réussi, mais c'est parti comme un. C'est parti comme un. Comme du petit lait, hein. Bon, dis-moi, est-ce que tu pourrais te rencarder si tu peux avoir Ouais, quelque chose pour sûr. moi? Sur quoi? De l'héros ou. Ah, bah, pff, depuis que les Russes sont partis, là, ça fait 15 jours qu'on les voit plus, plus rien, quoi. Et ils sont, tu sais à peu près où ils sont ou quoi? Qui ça? Tu dis qu'ils sont partis, mais les Russes. Ouais, bah, ils sont plus là. On sait pas où ils sont partis. On va plus. Et Avant, ils nous ils étaient font. toujours sur le Havre? Bah, ils étaient un peu dans toute la région, hein. Trafiquaient, prostitution, drogue, tout ça, mais. Là, D'accord. Et du ça fait côté de 15 jours la. qu'on les voit plus, hein. Et du côté des Trotas? C'était les Russes qui étaient? Ouais, bah ouais. Et tu dis que Sûrement, ouais, depuis dans toute la 15 région. jours, Ouais, 15 jours qu'on et les voit plus. depuis 15 jours, Non. tu les vois plus parce qu'ils t'approvisionnent plus ou tu les vois plus parce qu'ils sont plus là? Mais ils sont plus là. Ils répondent plus au téléphone, ils ont disparu. Donc on a essayé hein, avec eux d'essayer de renflouer les stocks, mais même eux ils ont rien, ils ont disparu quoi. Avant ils étaient toujours là sur le, vous savez, Ah. sur les docks là, ils réceptionnaient des marchandises des fois qui arrivaient un peu de manière dans les conteneurs quoi. Ouais. Et ben on les voit même plus sur les docks, plus rien, hein. Ils sont plus là. Plus moyen d'avoir de la marchandise, hein. Plus rien. En ce moment-là, c'est. Ouais, j'espère que ce confinement va bientôt se terminer et que tout va redevenir normal, hein. Bah, il vaudrait mieux pour ton commerce. Bah, carrément. Et tu sais s'il y a quelqu'un qui a remplacé les Russes? Non, rien, personne. T'as entendu parler de ça ou quoi? Non, personne, non. Je sais qu'il y avait un mec qui fournissait, je crois, sur Etretat, je sais pas d'où est-ce qu'il tirait sa cam. Mais pareil, lui, Un mec, je sais pas. un Français? Je Ou un crois, ouais, frère? je crois. Je crois, ouais. Je sais pas où est-ce qu'il tirait sa cam, Tu mais avais déjà entendu son. Tu as déjà entendu son nom ou pas du tout? non, il avait une cam qui était. Il est pas mal, mais pareil, c'était. Il travaillait avec les Russes, et depuis que les Russes sont disparus, ben sa cam, on la voit plus, quoi. Ok. En fait, c'est quelque chose comme le Carpentier, ça te dirait rien, par hasard? C'est possible, ouais, Moi, être. peut-être, ouais. Et trop C'est tard, j'en ai entendu possible. parler d'un gars comme ça, Je quoi. sais pas si c'est lui ou pas, je sais pas. Tu l'avais jamais vu? Non, non, c'est pas dans mon business ça, mais j'ai entendu des gars des fois qui sur ce truc-là, ouais. Ouais, mais tu me disais que les Russes, ils étaient sur la drogue, mais ils étaient aussi sur la prostitution, non? Ouais, surtout la prostitution, ouais, mais bon, ça marche de pair, hein. Ouais. Après, toi, t'as pas entendu des trucs un peu louches que sur Etretat, il y a des on-dit sur des prostituées qui seraient disparues, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Alors bon, les Russes Prostituée qui aurait disparaissent, les disparu. prostituées. Ouais. Ça, bah, je sais pas. C'est peut-être pour ça que les Russes seraient partis alors, tu crois? Je sais pas, mais. Le problème, c'est que pour arriver à trouver quelque chose, c'est compliqué, quoi. Trouver quelque chose. De la cam? Ouais, Ouais. de la cam. Ouais. Bah écoute, je sais pas. Non, aujourd'hui, à part faire un. Faudrait se mettre en contact avec un mec qui fasse un casse quelque part, genre dans une pharmacie ou dans un hôpital, peut-être il pourrait te récupérer Ouais. quelque chose, mais c'est tout, quoi. Bon. Si jamais tu avais des infos, Ouais.
tellement mon Écoute, ego. ok, j'ai compris. Ouais, si tu, ouais. Bah écoute, dès que j'ai de la, dès que j'ai de la cam, je t'appelle. Ouais, ça serait sympa. Pas de Bon, problème. en souvenir du bon vieux temps. Pas de problème. Et tu dis bonjour à tes frangins. Pas de problème, ouais. Tu leur diras que j'ai pris un peu de masse et que cette fois-ci, s'ils venaient me faire un peu chier, ils auraient du répondant, quoi. Carrément, ouais, je vois Et tu vois ça, qu'ils se il se marre ouais. et il check, tu sais, il le prend comme ça. Il fait demi-tour. Ok. Et il rentre, il va au pick-up. Ouais. J'informe Ismaël de ce que je viens de ce qu'il m'a dit, quoi. Ouais, Comme quoi. je propose qu'on passe en channel secret. J'ai Ouais. des informations à te faire passer. Ok. Ok, on va faire ça. Ça y est, Ah, tout le mais monde ouais, là? c'est bon, j'y suis. Oui, donc Ok. à Ismaël, je lui explique un peu tout ce que j'ai vu avec Az. Bon, là, par contre, à Ismaël, je lui explique qu'il n'avait pas du tout de dose d'héroïne, que y a, les Russes ont. A priori, les Russes ont disparu, qu'ils étaient sur les quais, qu'ils n'y sont pas, qu'a priori, il y avait un gars qui pourrait être carpentier, qui les fournissait, qui était en mèche avec les Russes. Et Ok. donc, je te Alors, dis tout ça. ok. Anis, pendant que tu étais en train de discuter avec ton ami, j'ai reçu une série de messages de Luis Valmeras. Leurs recherches ont été plutôt fructueuses, hein, la gendarmerie. Ok. Par contre, les infos que j'ai reçues de la part de Louis, elles compromettent plutôt le capitaine, Coralie Roca-Stansky. En Okatinski, oui, fait, Coralie, oui. ouais. En fait, Louis, ce qu'il me raconte, c'est que par rapport à son salaire mensuel, son train de vie est plutôt supérieur. Est-ce qu'elle devrait dépenser réellement? Donc, au travers de ces messages, je pense qu'il soupçonne des pots de vin. Hein, je soupçonne que c'est Coralie, enfin, Louis plutôt soupçonne que Coralie reçoive des pots de vin. Après, D'accord. il faut faire la part des choses. J'ai une confiance plutôt moyenne, hein, dans Louis Valmeras. Pour être franc avec toi, quand j'ai démarré l'enquête, j'ai aussi reçu des infos comme quoi la gendarmerie d'Étretat avait des relations avec la mafia russe. Par contre, je connais pas du tout les liens. Donc voilà, je te donne une info supplémentaire parce que j'ai eu l'autorisation de te la donner. Ouais, Donc, d'accord. Il va falloir y aller sur les pointes de pied, quoi. Tu as remarqué tout à l'heure que j'ai hésité à parler du Range Rover, enfin du Ford Ranger blanc. J'étais pas loin de le dire, mais j'ai encore attendu. Parce que si j'ai été piégé, ça peut être par de la gendarmerie, donc. Montrer que j'ai vu ça. Voilà. Bon, bref. Tu as compris pourquoi je n'en ai pas parlé. J'ai parlé simplement de que j'avais eu des liens pour pouvoir approcher on va dire le quartier pour parler prostitution et drogue. Mais j'hésite vraiment à divulguer un peu trop mes secrets. J'ai peur que ça me retombe sur le coin de la figure, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Je comprends tout à fait. Comme je t'ai dit, hein, c'est pas moi qui dévoilerai ce genre d'informations. Il n'y a que toi et uniquement toi qui peux le faire. Après, voilà, je sais que ça peut être compliqué. Mais d'un autre côté,
Si je peux me permettre un conseil, je pense que ça serait quand même judicieux d'en parler à l'équipe. Parce que je pense que c'est bien où pour vont les ça. choses, ouais, je pense qu'au bout d'un moment, ça Ouais. va ressortir. Ouais. Non, mais c'est pour ça que l'histoire des traces du Ford Ranger, je pense que ça va être la prochaine info que je vais leur donner, voire éventuellement même leur réaction en fonction de ça. Pour pas que même on aille chercher des indices là où il n'y a pas besoin de perdre du temps, quoi. Ok. Alors, Concernant les Russes et la prostitution, c'est bon, on a fait le tour, tu as compris. Après, oui, il n'y a plus rien sur le marché, là, il n'y a plus rien. Que les Russes ont disparu, c'est un peu bizarre qu'ils aient disparu. Si en plus de ça, il y a quelque chose qui se trame avec Carpenter, quoi. Carpentier. Je te propose qu'on aille à l'université de droit, pour voir si on Ouais. peut avoir des infos concernant Longchamp Alors, et Carpentier. juste une dernière chose avant qu'on bouge. Je viens d'avoir une confirmation d'information. Donc, j'ai interrogé mon réseau concernant Coralie, donc la capitaine. Oui. Et la réponse est la suivante. Une capitaine de gendarmerie, niveau de revenu non conforme à son train de vie, pour corruption possible. C'est possible qu'elle soit le loup dans la bergerie. D'accord. Donc, potentiellement, ça rejoint les dires de Louis Valméras. OK? OK. Il va falloir jouer serré. Écoute, ouais, j'ai rien de plus comme info. Je suis d'accord avec toi. Je te propose qu'on continue à l'université comme tu proposais. Parce que je ne sais pas ce que tu en penses, mais il faut aller prendre des renseignements. Cette jeune fille était dans un appartement à part. Je vois pas l'intérêt d'aller dans cet appartement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, c'était son oui, c'est ça, c'était son studio d'étudiante, quoi. Oui, c'était pas la cité vue, quoi. Parce qu'éventuellement, on aurait pu avoir des infos. Mais je pense que la police est passée, a fait l'enquête de voisinage, quoi. D'ailleurs, à ce propos, nous, on y a eu accès à ça. Bah, vous avez eu comme information que les voisins n'ont rien entendu de ce qui s'est passé Oui, voilà. ce soir-là. Il n'y a aucun bruit. Donc. Elle, apparemment, elle ne s'est pas débattue. Il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de violence, pas de coups. Y a rien. Ok. Ils ont rien entendu. On va à l'université de droit? Bon, j'ai aussi d'autres infos à Nice. Tu te rappelles la photo que Coralie nous a montrée qui concernait un soi-disant casse? Où elle Oui. soupçonnait Louis Valméras. Oui. Louis Valméras m'a confirmé que c'était bien lui, le cambrioleur. Et je... Moi, j'avais vraiment eu cette impression que c'était lui. Et ben là, c'est lui qui me l'a officiellement Confirmé? confirmé, Comme quoi? exactement. Ce don. Je lui ai demandé en fait l'objectif du casse. En fait, il n'y avait pas vraiment d'objectif. Hein. Je pense que Louis Van Meras, c'est quelqu'un qui fonctionne aux émotions et il a besoin de grands frissons, on va dire, pour se sentir peut-être vivant. Donc, il a fait un casse hein, sans forcément avoir d'objectif. Si ce n'est ce fameux grand frisson, sauf qu'en fait, en faisant son casse, il est tombé sur un cadavre. Malheureusement, il a paniqué et ce cadavre, il l'a déplacé dans la forêt. Et c'est celui qu'on a retrouvé dernièrement. Hein. Je lui ai demandé Et où le... avait été effectué ce casse. Et il m'a répondu que c'était un appartement de location qui appartenait à Carpentier. Une maison de location, ouais. Tu Maison de parles location. de... Et tu parles de quelle victime? De la première ou de la deuxième? Celle que tu connaissais ou la première?
Alors, est-ce que je peux retrouver ça? Non, c'est pas celle que je connaissais. C'est alors Donc attends, c'est la c'est laquelle première. qui a été retrouvée? C'est C'est la laquelle qui a première. été retrouvée dans la forêt? Non, c'est la première qui a été retrouvée au pied de la falaise, mais elle avait séjourné dans la forêt. Alors, décès, trop Non, mais c'est sûr, c'est détérioré. celle-là. Je te Ok, donc. confirme, Ismaël, c'est celle-là. Ok, ça marche. Eh ben, c'est Donc, la première alors. si je comprends bien, Valmeras fait un casse. Il tombe sur un cadavre, il le met dans la forêt, et le cadavre, on le trouve au pied de la falaise. Ismaël, Oui. je vais te dire quelque chose qui va te surprendre parce que tu vas me dire, tu vas penser que je t'ai menti, mais je t'ai dit qu'une partie de la vérité. On m'a pas appelé. On m'a pas appelé de la mairie d'Étretat. J'ai essayé de trouver un moyen de justifier que mon Ford Ranger était près de la falaise. Parce qu'en fait, je suis tombé sur ce cadavre en plein au milieu de la forêt. Et en fait, j'ai cru que c'était mes. Tu vas pas. Ça va te paraître bizarre, mais j'ai cru que c'était mes chiens qu'il avait traîné, qu'il avait bouffé. Enfin, je sais pas. J'ai paniqué parce que j'ai pas voulu qu'on me bute mes chiens et c'est moi qui ai emporté le et qui l'ai jeté. Alors, Alors, ça pourquoi semble avoir complètement. pensé que c'était tes chiens? Parce que c'était couvert de sang, mais mes kleps ont dû aller renifler dessus. Et c'est surtout que j'étais pas moi-même, quoi. J'ai même pensé que c'était moi qui l'avais tué, quoi. Et là, tu vois qu'il est en train de s'effondrer parce que il t'a quand même avoué que de temps en temps qu'il se shootait, quoi. Mais tu vois qu'il essaye de s'en sortir il est dedans, quoi. Il est vraiment dedans, quoi. Ok, bon. Très bien, je te remercie de m'avoir partager ce moment qui devait être difficile pour toi, Anis. Oui, parce En que. toute franchise, je vais être franc avec toi, hein, je ne sais pas trop quoi en penser parce que d'un côté, j'ai Louis en qui je n'ai pas forcément confiance, d'un autre côté, j'ai toi en qui je commence à avoir confiance, mais qui a encore des côtés sombres hein, et je t'en veux pas du tout, je comprends tout à fait. Je sais pas quoi en penser, Anis. Je te propose qu'on Mais là, tu continue et vois qu'on qu'en en fait. discutera plus tard si tu veux. Attends, Ouais. et là tu vois que Anis il commence à se mettre à trembler parce que tu sens vraiment qu'il a il y a un poids qui est tombé parce qu'en fait ce que tu viens de lui dire le la tu en fait je tu vois qu'il y a et d'ailleurs je vais te parler parce que tu vois que il se met à trembler il dit mais ce que te dit Valmeras là. C'est la preuve que c'est pas moi ou c'est pas mes chiens qui l'ont tué. Et là, tu vois que le grand gaillard de maître, il est complètement. Il est. Il fond, quoi. Parce que, avec l'enquête, il est pratiquement sûr que c'était pas lui qui l'avait tué, quoi. Au final, parce que il y a les traces, il y a le symbole, il y a les traces de sang et tout ça, mais il avait quand même dans un coin de sa tête le fait que ce soit peut-être lui qui ait commis l'irréparable, quoi. Et ce que tu es en train de lui dire,
Le soulage. Il s'effondre presque, quoi. Et tu vois qu'il se redresse et il te regarde, il fait, mais j'espère que tu me crois, parce qu'il prend conscience que c'est tellement gros ce que Valmeros vient de te dire et que ce qu'il vient de te dire à lui, que bah, il fait tout pour que tu le que tu vraiment que tu aies cette qu'il ait cette sincérité qui retransmettre qui puisse te montrer qu'il vraiment il te dit la vérité, quoi. Par contre, Ismaël, si jamais je dois parler de la Ford, des traces, si tu me permets, je continuerai à donner l'excuse de l'appel de la mairie d'Etretat. Il n'y a aucun problème avec ça, Anis. Je respecte tout à fait. Je te fais confiance pour l'instant. Mais disons que... Tu m'as donné aucun élément pour ne pas te faire confiance. Je comprends tout à fait ton positionnement. Tu m'as dit la vérité, ça me c'est une preuve de confiance pour moi, donc il n'y a aucun problème. Je te laisse gérer complètement les détails que tu souhaites donner au reste de l'équipe. Puisque en toute franchise, hein, et je reviens pas sur ce que j'ai dit, pour l'instant, tu es la personne en qui j'ai le plus confiance. J'ai une moyenne confiance en Coralie et en Louis. Donc, je comprends tout à fait ton positionnement. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas moi, en tout cas, qui irait balancer, on va dire, des infos sur le véhicule. Par contre, vas-y. Ismaël, et là, tu vois qu'il te regarde droit dans les yeux. Ismaël, par contre, je te jure... Même si on m'a appris en étant enfant qu'il fallait pas jurer, mais je te jure que je vengerai ton ami. Il te regarde droit dans les yeux, il te dit, je me chargerai de celui qui a tué ton ami. Et là, il y a Ismaël qui te regarde et qui te fait un sourire. Comme si, en fait, il avait compris bah, que toi-même, tu l'avais compris, quoi. Mais par contre, il dit rien. Il reste secret, puisque c'est un peu sa façon d'être. Mais et ça, c'est pas quelque chose qui gêne à Nice. Le côté ténébreux ne le gêne pas, au contraire, il comprend la pudeur, il comprend tout ça. Anis, je te propose qu'on continue vers l'université. On repasse dans le salon public pour l'université. Oui. Ou si tu veux passer à eux pour relâcher un peu la tension, c'est bien aussi. On peut faire ça aussi. Nous voilà revenus. On va faire un petit coup de Paul Berrichon alors pour changer. Ça marche. Vous en dites. Donc effectivement, vous avancez dans les rues de... Pendant que nos amis vont à la fac, là, vous avancez dans les rues et vous arrivez devant le... Comment dire, devant la... Bah devant chez... Le cabinet notaire. Voilà, oui. Qui est également l'endroit où Monsieur Paul Berrichon habite d'ailleurs. C'est également l'endroit. D'accord. Génial. Voilà. Bon, on va faire le tour par derrière, on regarde s'il y a un système de sécurité, bref. C'est un immeuble assez classique, hein. C'est un immeuble de base. Hein. Ah, on essaye déjà de... Porte de sécurité particulière, il y a une porte devant, je suis même pas sûr que derrière il y a une porte. Derrière c'est un autre immeuble en fait, je pense que l'immeuble il est collé à un autre immeuble, donc il n'y a pas forcément d'entrée par derrière, quoi. J'essaye de clencher pour voir si c'est pas forcément, les gens ont peut-être oublié. La porte est fermée, non, la porte est fermée à clé. Voilà, je crochète un légèrement. Je...
Je vérifie qu'il n'y a personne qui arrive pour regarder, mais j'ai toujours mon masque et mes lunettes de soleil. Hein. Dans la rue, non, il n'y a personne dans la rue, mais enfin, vous êtes quand même dans une rue, donc il y a des immeubles, des fenêtres et peut-être des gens derrière les rideaux. Oui, mais c'est ce que je dis. Ouais. Mon masque, mes lunettes de soleil et tout. Vous êtes quand même dans une rue du centre-ville, quoi. Ouais, mais j'ai perdu mes clés, puis j'entre tranquillement, hein, vraiment, je suis pas en train de crocheter. Non, je suis okay. Comme si c'était chez moi. Fais-moi un jet de crochetage, alors. Je me suis peut-être, après, bon, bah voilà, quoi, je serais le mec sous qui s'est trompé de porte, voilà, le... Fais-moi un jet pour voir si t'arrives à la crocheter, là. Alors, attends, est-ce que j'ai... Tu dois avoir crochetage, je crois, non ? Torsion, acrobatie... Je dois avoir ça, ouais. Lecture fraise... Crochetage ! Ouf ! Ça va. Oui, bon, c'est chez moi. Vous voyez, c'est avec chez une moi. Grande facilité, effectivement, que tu ouvres... Bah, ça ouvre sur un petit couloir... comment dire, c'est un couloir directement. C'est dans un appartement, enfin dans un logement, quoi. C'est une maison. Il y a un couloir, un buffet. Il y a un buffet sur le couloir. Il y a un truc qui t'intrigue un petit peu, c'est qu'il y a une espèce de posé sur un socle. Il y a un couteau sur ce buffet-là, un couteau qui a l'air taillé dans une pierre noire. Vieux couteau très ancien, un peu une avec une lame un peu ondulée, un truc comme ça, quoi. Je prends une photo avec mon téléphone. Ah, Christ. Un truc un peu bizarre. Un Christ, quoi. Est-ce que je l'ai mis dans les documents là ? Une espèce de dague ondulée. Tiens, je vais vous le partager. Alors, avec quel joueur ? Je vais faire show to everyone et puis voilà, pouf. Oui. Ok, je prends une photo du coup avec mon portable. All players will have change. Voilà, justement, ce qu'on était en train de chercher, c'était deux choses. La première chose, c'était voir s'il n'y avait pas des revenus avec le fameux carpentier. Tu sais, sur les maisons de location, toi, des trucs, des comptes obscurs. Et la deuxième chose, justement, on cherchait des indices par rapport à une secte, par rapport à oui, à des objets symboles, qui peuvent être rituels ou des choses comme ça. Ouais, ou ésotériques, ou genre de conneries comme ça. Et on tombe pile poil sur... Et autre chose, vous entendez de la musique. Apparemment, il y a au bout du couloir, il y a un salon à droite et il y a de la musique. Il y a quelqu'un qui écoute... Enfin, il y a de la radio, quoi. La radio est allumée, quoi. Ok, alors si j'entends quelqu'un, moi je vais me venez, cacher parce que je suis à pas peine très discret. Alors faites-moi tous les deux un jet de dextérité pour voir si vous rentrez dans ce couloir-là. Là, vous venez juste d'ouvrir la porte et vous avez aperçu ce buffet, ce couteau et de la musique au fond du couloir à droite. Donc si vous mettez les pieds dans ce couloir-là, vous me faites un jet de dextérité. C'est considéré comme de la contorsion, ça. Ouais, vas-y. Ouais, nickel. C'est pas de la contorsion, mais bon, c'est ok. Oui, mais je me déplace comme une anguille, quoi. Ouais, ok, d'accord, on va dire ça. Moi, je suis très discrète. Bon, bah, donc, ok. Très bien. Très bien, donc vous rentrez sur la pointe des pieds dans le couloir, ouais. Mais par contre, je vais pas me diriger vers la musique. Si jamais Louis il veut aller voir, pas de soucis, mais moi, j'ai pas trop confiance en mes capacités. Donc, je vais chercher des trucs ailleurs. Moi, j'essaye de percevoir s'il y a des bruits, des gens, etc. Et moi, mon idée, c'est plutôt justement d'aller fouiller dans des bureaux, genre comme ça, en cherchant donc soit des symboles ésotériques, soit des trucs un petit peu qui soient liés à une secte. Soit des papiers concernant Carpentier, puis ses locations, enfin, voir s'il n'y a pas des liens entre ce notaire-là, puis le. Ben, je le confirme qu'il y a du monde, puisque vous entendez tu entends des bruits, des grincements de chaises, de fauteuils, de choses comme ça, dans la salle du fond, au fond à droite, là, au rez-de-chaussée. Il y a un escalier qui monte. Je prends l'escalier qui
effectivement. Ouais, moi je reste en Et bas, hein. sinon, en bas, c'est un salon et une cuisine, quoi. Et des toilettes. Ok. Donc, tu prends l'escalier qui monte, tu montes sur la pointe des pieds, et en haut, tu vas trouver une chambre et un bureau. J'essaye de voir, d'entendre s'il y a quelqu'un dans le bureau. Il n'y a personne dans le bureau. Alors, je vais commencer à fouiller. Ben, vas-y, fais-moi un jet de fouille. C'est quoi, c'est Et perception je, en fait, ou là, intuition? très clairement, j'essaye de remarquer un détail, voir par rapport à ce que je t'ai dit, toi, un détail au niveau d'une secte ou un quelconque toi, financement occulte avec Carpentier, toi, sur ces deux voies. Déjà, ça va assez vite, c'est que dans le bureau, accroché au porte-manteau, il y a un manteau avec une capuche, quoi. Oh putain. Ah, je prends une photo aussi. Moi, je reste en bas, j'envoie la photo du couteau à Ismaël en lui disant s'il reconnaît, est-ce qu'il reconnaît, et je reste vraiment à l'entrée, au cas où quelqu'un arrive, que je puisse prétendre venir de rentrer dans la pièce. Est-ce que je peux faire marquer un détail en plus? Ouais, vas-y. Très bien. Ben, tu trouves un certain nombre de livres, mais des livres qui n'ont rien de très secret particulier. Hein. C'est des livres qu'on peut trouver dans n'importe quelle librairie ou machin, mais il y en a beaucoup de livres qui tournent autour du druidisme, des celtes, ce genre de choses. Est-ce que Ismaël a reçu le SMS? Oui, il l'a reçu. Pareil, hein, moi j'envoie les SMS, tu vois, je prends des photos des livres, tout ça, de la capuche, tout ça. Je l'envoie pareil à Ismaël. Surtout pas au capitaine pour pas qu'il reçoive des Ça passe du bruit. Ça. Et Ismaël, est-ce Est-ce que que tu tu as m'entends? pensé à mettre ton téléphone en mode vibreur? La question est là. Donc surtout pas au capitaine et je me barre d'ici quoi. Parce que Ben, très bien. Ismaël il me l'a montré. Ismaël, est-ce que tu me les montres les. Attends, je t'envoie un message Non plutôt. mais notre ami Non mais parce que Kiku, ça. Parce il a un que téléphone où on voit pas Ismaël. les photos sur son téléphone. Moi j'ai pas le téléphone. Si tu me montres les photos, je te demande de leur envoyer un SMS en leur demandant si ça correspondrait pas le couteau dentelé, si ça correspondrait pas aux blessures qu'ont eues les nanas. Alors là, Ouais. c'est beaucoup de Alors, mauvaise journée. C'est pour beaucoup de ça, il journée. faut que je fasse un jet, par exemple, d'autopsie, pour voir si ça peut correspondre. Ah Non, ouais. il y a. Parce que. Ouais, tu pourrais, ouais. Je peux? Ouais, tu pourrais, ouais. Ouf! La vache. C'est archi gonflé, vos machins, là. Bah effectivement ça pourrait ouais ça pourrait être ce genre d'arme effectivement puisque c'est un couteau assez Ok. pourri qui coupe pas bien ça pourrait être ça ou quelque chose qui ressemble à ça ouais. Ok. Est-ce que je peux le subtiliser? Tu peux. Alors moi je l'ai, j'ai cette compétence-là, kleptomane. Oui. Oh la Je vache, voudrais, bordel. mais il faut le subtiliser, mais sans mettre ses empreintes dessus. Oui, ça, c'est pour ça que Voilà. tu me vois enfiler des gants. Tu vois, je suis en train de redescendre et je suis en train d'enfiler des gants. Et je te montre le. Et surtout, ce que je veux faire, moi, c'est passer le petit révélateur pour voir s'il y avait du sang dessus, dès que je suis rentrée. Dans le C'est dans mon couloir, petit kit bien du... sûr. Non, 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 dans la voiture. Dès que je suis... D'accord. Mon petit kit du parfait gendarme. Je fais mon test de Chourave. Ça marche. Oh. No comment. Ah non, là c'est le test pour résister, ça. T'es trompé, ouais. T'as fait le test pour C'est résister quoi? à ne pas piquer. Parce que le Ah. kleptomane, c'est des fois quand tu vois quelque chose qui te plaît, faut que tu essayes de Bah là, ça résister. me plaît, hein. Bah, le problème, c'est que si tu fais ça veut dire que tu résistes et tu le prends pas, quoi.
Non, mais c'est bon, moi je. Ah mince. Je peux le prendre. Non, c'est nickel. Bon, allez, c'est bon là. Je n'avais pas compris, pardon. C'est plutôt le contraire, non? Tu dois avoir un jet de l'aptitude, tout simplement, dextérité ou quelque chose comme ça, non? Dextérité. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai. Mince, t'es où? Si t'es up. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a crochetage, il y a esprit d'analyse, acrobatie, contorsion. Sinon, c'est juste dextérité. Dextérité, hein. Sinon, ou alors je le prends, quoi. Il y a pas. Sinon, tu le prends, t'as pas besoin d'un jet, il y a personne. Tu le prends. Ouais, mais il pourrait, par exemple, faire un échec critique, tu vois, le faire tomber par terre. Oui, mais d'accord, ouais. Mais bon, c'est pour prendre un objet, ça va, quoi, quand même. Je sais pas. Ouais, mais il pourrait, tu vois, avec le stress, tu on ne sait jamais. Fais de jet pour qu'il pique on sait les jamais. Clés du gars. Effectivement, donc c'est juste un jet de dextérité de base. Pour voir si tu. Changer ou on prend comme ça Ouais, bah. Fais-moi un jet de dextérité pour voir si t'as vu. Elle le prend délicatement sans faire tomber le support qui est dessus. Tiens. Voilà, bah c'est nickel. Tu le prends sans t'arrêter. Tu passes devant, tu le prends, hop, sans même t'arrêter. Bien sûr, avec des gants. Parfait. Et tu ressors. Eh ben voilà. Coralie, ouais. J'ai trouvé. Yeah. Et là, je te montre les photos que j'ai envoyées à Ismaël. Regarde, il y a la capuche, on la tient notre secte. Et regarde, il a plein de bouquins de druidisme, d'occultisme, etc. C'est bon, quoi. Et puis là, cette espèce de Christ, là, t'as trouvé quoi alors? Le quoi? Là, la dague. La dague. La dague. Eh ben, à mon avis, elle peut correspondre aux blessures faites aux victimes. Pour en être sûr, il faut que je passe un révélateur dessus pour voir s'il y a eu du sang qui a été mis dessus. Mais, Et t'as ça sur toi ou il faut retourner à la base Je ne sais pas. Pas sûr que t'aies ça sur toi, non. Mais je dois l'avoir à la base parce que je dois avoir un témoin d'enquête à la villa, quoi. The Batmobile. Let's donc, go. Vous rentrez à la villa, alors. Ouais. Donc, d'accord, très bien. Et ben, nous saurons donc la prochaine fois s'il y a des traces de sang sur cet objet. Quand vous serez rentré et que tu auras récupéré tes affaires dans la valise et tout et tout. Et pareil, nous saurons qu'est-ce qui va se passer à la faculté la prochaine fois. Oh non! Et si non. Si. Non, il doit être bien là. Si, ben non, c'est fini pour cet épisode. Non. Eh bien. Si. C'est quoi le plus Et ben voilà. Si. Et ben à la prochaine fois.